Avec l'appui financier de la coopération danoise au développement Danida, le BID a mis en œuvre le projet Pêche-Thune, emploi décent pour la jeunesse tunisienne. L'objectif du projet consiste à créer plus d'opportunités d'emploi décent pour les jeunes femmes et hommes dans la région du Nord-Ouest, à savoir les gouvernorats de Béja, Jendouba, Siliana et Le Kef. Le projet Pêche-Thune travaille en partenariat avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, mais aussi avec les partenaires sociaux, l'UGTT et l'UTICA. Le programme a adopté un modèle de gouvernance tripartite afin de garantir un dialogue social participatif ouvert à la société civile. Ceci s'est fait à travers la mise en place d'un comité national de pilotage, de 4 comités locaux de suivi au niveau de chacun des gouvernorats d'intervention, qui sont renforcés par des forums techniques de développement au niveau des délégations d'intervention du projet. En mars 2016, le programme a accompagné les efforts du consensus national tripartite pour la réalisation du dialogue national pour l'emploi. Cette initiative nationale incluant les 3 forces vives de la Tunisie, à savoir le gouvernement, l'UGTT et l'UTICA, a abouti à l'adoption de la Déclaration tunisienne pour l'emploi et de 16 mesures d'urgence pour lutter contre le chômage des jeunes, notamment l'importance d'élaborer une stratégie nationale pour l'emploi et le renforcement des services publics de l'emploi. Le projet accompagne le processus d'élaboration de la stratégie nationale pour l'emploi, lancée en août 2017, notamment à travers la conduite de plusieurs études thématiques dans l'objectif d'élaborer le diagnostic de la situation de l'emploi. Le projet Pêche-Thune appuie les services publics de l'emploi. Il s'agit de l'ANETI pour concevoir de nouveaux outils d'accompagnement des jeunes chercheurs d'emploi. À titre d'exemple, le manuel des procédures pour l'accompagnement des chercheurs d'emploi. Le projet appuie également l'ANETI pour concevoir des outils novateurs mieux adaptés aux besoins des jeunes à travers le digital, comme l'application mobile qui fonctionne sous le système iOS et Android pour assurer l'accompagnement à distance des jeunes sur les techniques de recherche d'emploi. Pêche-Thune renforce l'employabilité, mais aussi les services publics de l'emploi, en s'appuyant sur des méthodologies qui sont développées par le BIT. Il s'agit de la méthodologie technique de recherche d'emploi, GERM, gérer mieux votre entreprise, CLÉ, comprendre l'entreprise, éducation financière, la méthodologie des chaînes de valeur, mais aussi la méthodologie TREE pour le renforcement d'autonomie rurale. L'outil GERM est un outil tout à fait adapté à la situation pour développer les entreprises et par là, promouvoir la création d'emplois au niveau de la Tunisie. Mon entreprise est un cabinet dentaire, mais j'ai découvert déjà que je pourrais améliorer beaucoup de choses sur le plan marketing, que je pourrais mieux gérer mon stock, chose que je ne fais pas très bien et j'ai découvert ça ici. Savoir gérer une entreprise, donc je n'ai pas de général à tout ce qui est la comptabilité, à la stock, à l'entreprise et la famille, qui fait notre sarf, qui fait notre chéri, qui fait notre bio, qui fait notre mois interne, qui fait notre travail avec les clients. La création d'emplois reste un objectif majeur du projet Pêche-Thune qui s'est concrétisé par la mise en œuvre de 3 chaînes de valeur dans les domaines de l'apiculture dans les gouvernorats de Béja et Jendouba et de l'aviculture fermière dans le gouvernorat de Siliana. Ces chaînes de valeur ont été choisies de manière participative au niveau des comités locaux de suivi dans chacun des 3 gouvernorats. Pour la mise en œuvre, le projet Pêche-Thune a collaboré avec 3 ONG tunisiennes. ولذا تم اختيارهم بطريقة تشاركية في إطار لجان متابعة المشروع في بيجا وجندوبة وسليانة وقد تم اختيار تربيط النحل بالنسبة لبيجا وجندوبة وتربيط الدواجن بالنسبة لسليانة وكلفنا 3 جمعيات غير حكومية وتونسية لتطوير هذه السلاسل واللي هما سي او دي بالنسبة لبيجا تيسير كونسي بالنسبة لجندوبة ووفاق برغو بالنسبة لسليانة احنا كاتحاد انخرطنا في المشروع هذا للسبب التالي. اول حاجة المشروع في اهدافه المعلنة يحكي على تمكين الشباب من فرص معناها التشغيل. اثنين يهتم باي نوع من الشباب هو شباب الريف. واحنا نعرفوا اللي في الارياف
في جهة سليانة ثم ظاهرة إخلاء أرياف. دونك هذا يساعد على معناها تثبيت معناها الشباب في الريف اللي هي أصبحت حاجة ملحة بالنسبة للجهة. الصناعة والتجارة معناها كان من المنظمات الحريصة جدا على المشاركة الفعالة في البروجي هذايا، واللي إن شاء الله باش يوفر أكثر من 400 موطن شغل بين معناها مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة. العدد هذا يتطلب إحاطة ويتطلب دعم ويتطلب معناها أن المنظمات الكل يحطوا ليد في الليد لتحقيق الهدف هذا وهو خلق 400 موطن شغل. Cette initiative pilote au niveau régional est le fruit d'une collaboration entre les services publics de l'emploi, les structures d'appui au niveau régional, mais aussi la société civile, et a permis de créer 1200 emplois, dont 400 emplois directs et 9 groupements de l'économie sociale et solidaire, avec plus de 40% des bénéficiaires qui sont des femmes. Le projet a facilité l'accès au marché pour ses bénéficiaires par la participation aux foires régionales, nationales et internationales pour promouvoir leurs produits et leurs marques, à savoir Apisbaga pour le miel de Béja, Aselna pour le miel de Jadouba et Zama pour les volailles de Siliana. تعلمنا برشا حاجات وعجبني برشا البروجي انا والليكيب، وان شاء الله ان شاء الله ننجحوا فيه ونعملوا في جرتو يعني مشروع صغير نبدو به حياتنا بحكم ما عندناش لا خدمه لا حتى شيء قاعدين في الدار. البروجي نتاع بيشتون اللي وفر لنا برشا حاجات parmi les formations في الكوتي اكسبيريونس في الدومين نتاع النحل وتربيه النحل وانتاج النحل اي سيرتو لي ديفيكولتي الكبيره اللي نجمنا نتعلموها ونتجاوزوها اللي هي الكوميرسياليزاسيون نتاع النحل وكوتي ماركتينغ. عملت بروجي في دجاج ضايعه على طريق البروجي نتاع البشتين، خممت اني نعمل بروجي في الدجاج بيو. فما شكون معناها جاوا شافوا البروجي نتاعي ولا يحبوا يعملوا بروجي كيفي، زودتهم انا بالدجاج بعلم الدجاج وعملوا بروجيات كيفي انا ولا يربوا دجاج ينتجوا في البيض. قلت لك ماذا بيا نزيد نكبر البروجي اكثر بار كونتيتي كبيره ونولي نروج معناها منتوج، وبحكم معايا اختي ونخدم ناس اخرين معايا ونزيد نكبر بروجي اكثر من هكا ونعمل مثلا سوسيتي وباسمها معناها تولي معروفه ومبيع للناس الكل. المشروع هذا يحل لنا برشا افاق، مثلا انا كمحضي دبوسي معنا سيدي عمار كنت زين عاطل على العمل، كنت بطال، كنت ما عنديش هدف، كنت ما عنديش مستقبل، كنت ضايع ما عنديش توجه معين، تو الحمد لله يعني بشتين كانت يعني مساهمه بنسبه 100% معناها في ولاد الجهه معناها باش توفر لهم الفرصه هذه اللي ما تجيش كل يوم وما تجيش معناها في كل وقت. Aujourd'hui, j'ai visité les bénéficiaires du projet Pestune à Amdoun et à Tibursouk. Et c'est toujours la meilleure chose de rencontrer les gens qui font partie du projet. J'ai vu que le projet fait une différence pour ces gens. Bien sûr, c'est un projet qui est toujours pour les bénéficiaires, c'est au début. Mais c'était des gens vraiment engagés, qui avaient envie et le courage de développer leur projet. Pour moi, ça m'a fait un très grand plaisir de voir ça. I hope that with Aneti being there, the project of ILO being there, we hope that you can be able to create a framework by which you can be able to use young unemployed professionals. They are really good and they are the future.